Bonjour, bonsoir, amis internautes. C'est toujours un plaisir pour nous à chaque fois que nous avons l'occasion d'entrer la caillou. Mes chers compatriotes, Guy Philippe, bonsoir. Dans le moment que nous avons parlé là, bagala extrêmement compliqué dans le pays là. Oligarques corrompus paniqué, gouvernement paniqué, parce que révolution prend une autre dimension. Ibrahim Traoré fouye pile dans chaka toute longue l'el indexé nèg occidental sa yo qui prend plaisir yo dans touye depuis ces moun qui levé campé pour changer pays yo li cité Thomas Sankara qui subit même action sa yo li cité président haïtien Jovenel Moïse qui t'a goumé pour changer Haïti pour caléger peuple là. Malheureusement, ça pat nan intérêt impérialiste là, nèg yo té arrivé manger et à chaque fois que nèg yo pose action ça, mesdames, mademoiselles et messieurs, yo humilié cadavre moun sa yo, pa jam joine justice, etc., etc. Eh bien, li voye un message clair, yon façon pour Guy Philippe ka comprendre que bataille ça l'a mené hein. Li dwe très prudent la dan li. Et bagay sa a mette en pile neg nan kouri. Parce que yo we. Sa a te pense a se pa sa. Guy Philippe commence à jwenn moun kap kampe nan doul. Nou pral gen chance tande tout detay sa ou la an dan emisyon an. Rale chez ou chita confortablement ou pral tande koze. Mais juste avant kite nou pren yon ti tan. Pour nous saluer chaque auditeur nou yo qui gen habitude mette un j'aime sous vidéo nou yo, commenter pour nous dire ça ne pense et puis prendre les vidéos yo partager yo sur tout groupe Facebook, WhatsApp, Telegram, ça fait nous plaisir en pile. Et ou même qui a fait connaissance avec chaîne ça pour la première fois, nous inviter ou abonner et là ou fin abonner gen une petite cloche qui apparaît, cliquer sur lui, retirer le sous personnalisé, mettez le sous tout. Yon façon pour qu'à toujours joindre une notification à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Mes chers compatriotes, bagala qui extrêmement compliqué dans la République dans le moment que nous parlé là. Guy Philippe annoncé révolution pour le prendre l'autre dimension et nous ouais nèg yo qui vraiment paniqué et population lui-même li pawel pas tendé. C'est Guy Philippe Livlé. Ibrahim Traoré prend position. En pile nèg commence à prendre position, mesdames, mademoiselles et messieurs. Donc, nous allons inviter ou tende avec un pile attention. Ibrahim Traoré, lui-même qui t'a parlé, lui adresse avec tout Africain, descendant Africain, pour être capable de comprendre la réalité du monde, ça, une façon pour que vous connaissiez comment il y a bataille pour vous changer. Réalité pays yo, yon façon pour petit yo pas déçu de yo, parce que Ibrahim Traoré rappelé tout Africain que ancêtres nous yo pas lâche, nous même malgré tout ça au fait pour yo faire nous lâche, nous pas doué lâche, parce que bataille ça les pas yon bataille lâcheté. En attendant la campagne, l'attention pas rater yon seconde, n'a pas retourner tout de suite pour nous capable continuer à émission. Ils prennent chaque fois des exemples. Ils nous diront, vous savez, Thomas Sankara a essayé de faire comme ça, mais il est où? Il est mort. Le président haïtien, il a essayé de faire comme ça, il est où? Il est mort. Si vous trahissez, vous aurez des fins macabres. C'est ainsi. L'impérialisme n'a pas d'amis. L'impérialisme vous utilise et quand il finit de vous utiliser, il fait de vous ce qu'il veut. Suivez mon regard, vous comprenez de quoi je parle. Ça a toujours été comme ça. Kadhafi a essayé comme ça, il est où? Il est mort. Voilà des propos qu'on nous tient de manière voilée pour nous faire peur. Et puis, nous voyons aussi souvent certains jeunes essayer d'emboîter le pas d'une autre manière. On peut les entendre dire « telle personne
a régné ainsi, il a lassé pays. Telle personne a régné ainsi, il est en prison. Tout ça pour essayer de nous faire peur, pour qu'on devienne des lâches. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris quelque chose. Quand nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ce n'est pas qu'une phrase. Ce n'est pas qu'une phrase, ça a tout son sens. Nous n'avons pas peur et nous n'aurons jamais peur. Nous continuerons notre lutte. Ils ont fait peur sûrement à beaucoup de chefs d'État africains. Vous voyez, souvent quand on s'exprime ou lorsqu'on a l'occasion d'être dans certaines situations à l'extérieur, nous tenons souvent des propos pour interpeller les chefs d'État africains pour qu'on se réveille, prendre soin de notre jeunesse pour pouvoir amorcer notre développement réel. Nous sommes souvent mal compris. Certains ont riposté publiquement à nos propos parce qu'ils se sentent indexés. Mais je peux vous assurer, jeunesse, que lorsque nous nous retrouvons dans les couloirs, ces mêmes chefs d'État nous disent « Vous êtes sur la bonne voie, c'est ce qu'il faut faire pour que l'Afrique puisse se ressortir. » Alors, nous leur posons des questions à savoir « Pourquoi vous ne faites pas comme nous? Pourquoi vous ne nous accompagnez pas ?» Certains nous disent qu'ils ont les mains liées, certains nous disent qu'ils ne peuvent pas. Chers aînés, chefs d'État africains, du haut de cette tribune, donc, je souhaiterais dire que les peuples africains sont les peuples les plus pacifiques. Lorsque vous reconnaissez un tort, il faut le dire au peuple. Que nous n'ayons pas peur demain de sortir et dire au peuple, nous nous excusons, nous avons été compromis, nous avons des biens mal acquis, on nous a compromis par plusieurs choses et que nous demandons pardon et nous revenons sur la bonne voie. Et de commencer à travailler réellement pour l'indépendance de nos États et notre émancipation. Et je pense que c'est possible. Si nous restons dans cette posture de peur, nous serons lâches. Et l'histoire nous jugera. Nos enfants poseront des questions, nos petits-enfants poseront des questions. Nous sommes en train d'écrire l'histoire, il n'y a pas de place pour la lâcheté. Si nos ancêtres avaient été lâches, nous ne serions pas là. Souvenez-vous, je vous prends un exemple des peuples Bamileke et Bassa, je veux parler des Camerounais. L'union des populations du Cameroun, qui depuis les années 50 a commencé une lutte implacable contre les colons. Mais ils ont été massacrés. Les armées coloniales françaises en son temps ont déversé des bataillons d'infanterie, des chars, d'hélicoptères, ont anéanti des villages entiers. Les tortures les plus inhumaines ont eu lieu en cette période. Vous pourrez faire des recherches sur ce qu'ils appelaient la balançoire ou le bac à ciment. Des centaines de milliers de populations ont été décimées ainsi en Afrique parce qu'ils ont osé demander aux colons de quitter leurs terres. Ça aboutit à une guerre civile qui a duré plusieurs années. C'est pour dire que des gens ont osé, ont affronté à main nue les impérialistes pour que nous, nous soyons là. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas affronter les impérialistes pour que nos générations à venir puissent vivre. Il y a beaucoup d'exemples à travers l'Afrique d'hommes courageux qui ont refusé d'être lâches, qui ont combattu, qui ont fait face. Eh bien, soyons dignes de ces gens. Nous sommes leurs descendants et soyons dignes d'eux. Un lâche ne peut pas être digne. Ne soyons pas lâches, jeunesse africaine. Parce qu'un lâche est toujours un traître. Et ça va de pair. Ils essaieront de nous faire peur. Pour que nous soyons lâches. Et si nous sommes lâches, nous allons trahir. Il faut bannir la traîtrise de nos habitudes.
Des Africains ont été traîtres pour que la traite négrière réussisse en Afrique. C'est parce que des Africains ont été traîtres que la colonisation a pu tenir en Afrique. Interrogeons l'histoire, nous le verrons. Lumumba, Patrice Lumumba a été trahi parce qu'il a osé tenir tête. Et ces mêmes télévisions belges sont venues au Congo pour quelques billets tendus à des individus au Congo pour une interview pour contenter leur population. Et vous avez pu suivre ça. Lumumba nous dérangeait. Il est mort, on est content. C'est de la traîtrise. Beaucoup d'autres héros sont tombés pour que nous, nous soyons là aujourd'hui. Et c'est une technique de l'impérialisme, de faire peur aux autres en menant des actions pour réellement créer la terreur. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je vous prendrai l'exemple d'un guerrier qui s'est battu, Victor Byakabuda. Lisez, vous comprendrez. Il est issu d'une famille de chefs, pas de la chefferie donnée par le colon. Il est un enfant digne. Il a fait ses études au Sénégal, je crois. Il est venu médecin en Guinée. Et lorsque le RDA a été créé, il a rejoint la Côte d'Ivoire pour mener le combat contre les impérialistes, contre les envahisseurs, contre le colon. Il a essayé d'organiser la société ivoirienne. Partout, les gens ont commencé à porter la voix. Il y avait en son temps un général Péchou qui a fait massacrer les populations ivoiriennes pour que jamais cet esprit de liberté ne puisse germer. Il a continué son combat aux côtés de Félix Houphouët-Boigny. Ils ont lutté, mais le plus virulent était Victor Byakabuda. Il représentait une menace pour les impérialistes. Qu'ont-ils fait ? En plus de massacrer les populations qui manifestaient, un soir, ils l'ont tué de manière atroce à côté de Boisflay. Quelques heures après, lorsque les populations de Dimbokro ont entendu l'assassinat, ils ont marché, ils ont manifesté. Ils ont été massacrés par l'armée coloniale. L'histoire est têtue, les faits sont là. Après sa mort, qui a fait peur à Félix Houphouët-Boigny, ils l'ont appelé et ils l'ont dit, si vous continuez la lutte, vous connaîtrez le même sort. Il a eu peur et il s'est rallié à l'impérialisme. Il a été nommé ministre en France et plus tard, il est venu prendre les rênes de la Côte d'Ivoire. Et ils l'ont utilisé pour éliminer beaucoup d'autres personnes qui osaient lever la voix. Et je pense que Thomas Sankara est un bel exemple. Si vous avez peur, vous serez lâche et vous serez traître. N'ayez jamais peur. La lutte doit continuer. Il y a beaucoup d'autres exemples à travers le monde. Et il y a ce phénomène qu'ils ont aussi utilisé depuis belle lurette et qu'ils continuent d'utiliser. Voyez-vous, certains individus, par exemple, se sont retrouvés dans d'autres pays et créés, soi-disant, un gouvernement parallèle au gouvernement du Mali. Vous avez entendu cette histoire. Ce n'est qu'une technique qui a existé dans le temps. Je vais vous prendre l'exemple de Ahmed Chalabi, l'Irak. Ce professeur de mathématiques qui a même été dans le gouvernement irakien a été récupéré par les impérialistes et il a formé ce semblant de gouvernement parallèle à l'Irak aux États-Unis. Et on l'a utilisé pour être donc le mouton de sacrifice parce que c'est à lui qu'on a dit de prononcer publiquement que Saddam Hussein développait des armes de destruction massive. Et il l'a fait. Ils l'ont utilisé. Et ce talibi a été utilisé pour tuer des millions d'enfants en Irak et détruire l'Irak. Et vous savez quel a été le sort de Chalabi? Un soir, après une interview, dans l'interview, il disait même que
il sait que la CIA est sur son dos. Quelques heures après, il a été retrouvé mort dans son lit, mort de crise cardiaque. Si vous trahissez, vous aurez des fins macabres. C'est ainsi. L'impérialisme n'a pas d'amis. L'impérialisme vous utilise et quand il finit de vous utiliser, il fait de vous ce qu'il veut. Suivez mon regard, vous comprenez de quoi je parle. Ça a toujours été comme ça. Le troisième vice que je vous invite à vous départir, c'est l'incompétence. Ah, je reviens encore au mot du slameur qui a marché sur ma langue. L'incompétence, vous comprendrez de quoi il s'agit. L'incompétence est un phénomène très dangereux qu'ils ont utilisé pour détruire la société africaine. Dans nos administrations, il y a beaucoup d'incompétence. Reconnaissons-le. Les incompétents ont beaucoup de place à côté de l'impérialisme. Parce que les incompétents peuvent plomber le développement d'un pays. Les incompétents peuvent vous amener à douter de vous. Les incompétents aiment la facilité. Les incompétents aiment tout pour eux seuls. Les incompétents n'aiment pas ceux qui sont compétents. Ils n'aiment pas ceux qui innovent, ceux qui cherchent. Les incompétents sont dangereux. Lorsque vous êtes éclairé, l'incompétent ne vous aime pas. Lorsque vous voulez innover, l'incompétent ne vous aime pas. L'incompétent sait reconnaître celui qui est compétent et il va le combattre jusqu'à son dernier souffle. Parce qu'il a peur de celui qui est compétent. Cherchez la connaissance et travaillez, travaillez dur pour être compétent. Bannissez l'incompétence. Parce que, à travers les distractions qu'on veut nous faire adopter, on devient incompétent. Je vous prends un exemple. Les réseaux sociaux sont les lieux de publication des informations aujourd'hui. Les gens s'informent à travers Internet et beaucoup de choses. Un jeune qui publie sur les réseaux sociaux un article sur sa ferme ou un projet agricole ou un projet scientifique, je suis jeune, je connais les termes, il n'aura pas peut-être 1000 vues. Mais un jeune qui publie sur des futilités, ce que moi j'appelle du n'importe quoi, il a des millions de vues. Justement, comme disait le jeune slameur, on veut vous faire perdre du temps dans les futilités. Prenez conscience, intéressons-nous au travail et cherchons la connaissance, cherchons la compétence. Se distraire, c'est bien, mais on doit travailler d'abord, avant de se distraire. Cherchez la connaissance, sinon vous perdrez du temps à ne rien faire. Et la jeunesse, c'est l'époque, c'est la période où il faut exploiter son temps à bon escient. Les impérialistes le savent. Voilà pourquoi ils vont multiplier tout ce qui est événement de distraction. Ils vont multiplier tout ce qui est événement qui peut vous détourner du travail pour que vous soyez des incompétents. Et en ce moment, quand vous êtes endormi, on choisit les incompétents pour diriger tout ce qui est structure importante. Et vous n'avez le choix que de vous plier. Ne soyons pas incompétents, cherchons la connaissance. Les incompétents se cachent souvent derrière des mots. Ils emploient les termes de démocratie, de liberté, sans se rendre compte de quoi il s'agit. Camarades, la démocratie est un état d'esprit, autant que la jeunesse est un état d'esprit. C'est soi-disant démocrate, mais regardez le monde. Comment est-ce qu'on peut vouloir imposer la démocratie en tuant des millions de personnes?
C'est de la dictature, ça, ce n'est pas de la démocratie. Ça ne s'impose pas. Ceux-là qui se disent démocrates, mais regardez, nous avons vu des scènes où on a empêché des gens de rentrer dans des assemblées. On a vu des scènes où des forces ont débarqué dans des assemblées pour obliger les députés à prendre des textes. On a vu des scènes plus terribles que ça, où les gens tuent leurs manifestants. Mais eux, ils s'appellent démocrates et nous, on nous appelle donc des putschistes. Si c'est ça la démocratie, je répète, nous ne voulons pas de cette démocratie. Et quand vous voyez souvent les incompétents, ils ne cherchent pas à savoir quelle est la signification du mot démocratie en réalité. Ils s'accrochent juste à la définition qui lui a donné l'impérialisme et ils se mettent à parler de démocratie sans réellement connaître le fondement. Ça, c'est de l'incompétence. Il faut chercher à connaître, avoir la connaissance, regarder le monde pour redéfinir la démocratie telle que nous le voulons en Afrique. Les incompétents se cachent derrière les libertés. Retenez une chose, il n'y a pas de liberté individuelle qui existe. C'est un fait. Vous pensez vraiment que chacun est libre ? La liberté est collective. Tant que nous vivons dans une société avec des règles, la liberté est collective. Parce que si vous ne respectez pas les règles, vous ne pouvez pas vivre dans la société. Si vous êtes libre de parler comme vous voulez, l'autre aussi est libre de vous répondre comme il veut. Ça sera du désordre. Si vous êtes libre de rouler dans la rue et de passer le feu rouge comme vous voulez, l'autre est libre de passer aussi et de vous cogner. Vous comprenez que si la liberté individuelle prend le dessus, nous sommes dans une société de désordre. Voilà pourquoi il y a des règles dans la société. Et les règles, tout le monde doit les respecter. Et là, on parle de liberté collective. Donc, certains se donnent le droit de parler de leur liberté individuelle à eux, mais ne tenant pas compte des autres. Je pense que ça fait partie aussi de l'incompétence, parce qu'ils ne cherchent pas à comprendre, ils s'arrogent les droits que peut-être les États les ont donnés pour sévir, pour faire tout pour eux, en négligeant les libertés des autres. Non, la liberté est collective. Avant de poser un acte, on pense à la liberté d'autrui. Et nous ne devons pas transcender la liberté des autres. Donc ça fait qu'on doit avoir de la réserve. Et une fois qu'on a de la réserve, la liberté individuelle n'existe pas. La liberté est collective. Et nous devons avoir cette culture de liberté collective. Cherchons donc la connaissance, lisons, interrogeons l'histoire. Ne lisez pas l'histoire que eux, ils ont écrit en leur faveur. Cherchez la connaissance à travers plusieurs sources et vous comprendrez dans l'histoire qui s'est battu pour l'Afrique, comment nous devons nous battre pour continuer cette lutte de nos devanciers. Et je ne terminerai pas mes propos sans faire un coup de gueule encore au volet de la communication, parce que comme je le dis, c'est l'arme fatale de l'impérialisme. Et vous jeunes, vous devez tout faire pour savoir distinguer le vrai du faux. Nous continuerons à démonter les mensonges des médias impérialistes qui essaient de toujours créer des soucis en Afrique. Parce que ces médias, par leur bouche, ils peuvent vous rendre un roi demain. Par leur bouche, ils peuvent vous faire quitter de votre position de roi et vous rendre un piètre esclave demain. Faites attention. Je suivais une émission, malheureusement, il n'y a pas longtemps, burkinabé, où un jeune journaliste a sorti une phrase qui m'a laissé un peu perplexe. Il parlait de la Corée du Nord. Et le journaliste a dit, mais il meurt de faim en Corée du Nord. A-t-il pris le soin d'aller en Corée du Nord enquêter pour voir vraiment s'il meurt de faim?
L'idée que les médias impérialistes ont vendue de la Corée du Nord est plus développée que beaucoup de pays européens. Et parce que ces médias nous disent « la Corée du Nord, c'est la dictature, les gens meurent de faim, ils sont pauvres, ils n'ont rien », on prend ça ainsi. Mais la Corée du Nord est une puissance nucléaire, comment est-ce qu'ils ont fait ? Faisons attention à la communication. Faut pas suivre de manière aveugle ces médias menteurs qui ne cherchent qu'à diviser l'Afrique. C'est logique, ils se battent pour les intérêts de leur peuple. Et l'intérêt de leur peuple, c'est que l'Afrique soit divisée. Alors, jeunesse du Burkina, jeunesse d'Afrique, il faut qu'on s'unisse. Il faut bannir la lâcheté, il faut bannir l'incompétence, il faut bannir la traîtrise et tous les vices dans nos sociétés. Nous avons des occasions de nous parler. On rend grâce à Dieu de ces occasions que nous avons chaque fois de nous parler, de nous conscientiser. Et je vous invite à repartir encore lire, à se mettre au travail pour que l'Afrique que nous voulons, autosuffisant alimentairement, soit une réalité. Pour que l'Afrique que nous voulons pour un développement harmonieux soit une réalité. Parce que je reviens sur votre thème, il n'y a pas de paix et de sécurité sans développement. Les deux vont de pair. S'il n'y a pas de développement, il n'y a pas de sécurité. Parce que s'il n'y a pas de développement, la jeunesse va forcément se retrouver dans les vices. Et il n'y aura pas de sécurité. S'il n'y a pas de sécurité aussi, il n'y a pas de développement. Donc les deux doivent aller de pair. Intégrons cela dans nos combats pour que nous puissions nous battre et nous développons. Allons-y vers la production. Produisons suffisamment. Transformons sur place nos matières premières pour que ce soit bénéfique pour nos populations et envie d'exporter cela. Je vous souhaite de très bonnes journées de réflexion sur le thème choisi, également sur le rôle essentiel de la jeunesse dans ce combat. Bonne chance à tous. Que Dieu fasse en sorte que tous ceux qui ont fait le déplacement retournent en bonne santé chez eux et que nous puissions nous retrouver quand nous le souhaitons par la grâce de Dieu. La patrie ou la mort. Jacques Ousotaptande Lala, c'est Ibrahim Traoré, qui se dit un paquet de causes. En pile nègre, Occident touillé, parce qu'il y a une bataille pour changer le pays. Mais il y a une bagaille que nous devons noter dans toute bagaille ça. C'est que depuis que vous trahissez, vous avez payé les conséquences là. Il y a un problème qui gagne, c'est parce que, en pile fois, nèg sa yo souvent, c'était agent américain que yo teye, agent double. Donc, c'est yo qui a travaillé pour américain. Donc, yo vin comprendre comment américain a fonctionné et yo choisi de lever campé pour yo prendre destin yo en main. Et c'est là yo pral considérer yo comme traite. Parce que action ça a, c'est un acte de trahison que lié. Donc, Américain pas pardonné. Jovenel Moïse subit de même bagay là. Noté où elle t'est monté comme président. En pile temps t'est passé, n'est pas de faire rien pour peuple là. Mais après un temps, il vient réaliser, faut que tire cela, c'est pour peuple là qu'il y a. Nègue Mangil. En pile l'autre nègue encore, si n'a pris ça dans mon sein, nègue ça, c'est des nègues qui étaient qu'on a goumé. Bon côté les États-Unis, les ouvins réalisés, yo pas qu'à continuer comme ça. Américain manger yo. Ben Laden te kon joine support les États-Unis, mais les ouvins virer contre les États-Unis, yo manger. Donc son monde comme ça, son monde c'est yo même qui supposé à régner, nous même nous supposé à baigner dans la boue de temps en temps. Il fait nous croire que tout pays pauvre, c'est des pays noirs que vous avez. Si vous faites un exercice ou montez sur Google, ou allez chercher pays qui sont plus pauvres dans le monde,
ou ap jwenn pays africain yo, pays noir yo en tête de liste. Même nan koze maladie, yo souvent fait nou kwè c'est peuple noir yo qui souvent pi infecté avec toute vie maladie que nous connaissons, par exemple maladie 4 lettres là. En tout cas, bagay qui extrêmement compliqué dans monde ça. Donc ou même qui ces jeunes noirs qui a grandi ou supposé suivre exemple des leaders tant que Ibrahim Traoré pour capable retirer peur ça que nèg yo injecté dans roi pour capable lever camper pour prendre destin en main pour bataille, même si que génération Paola a passé les pas ouais changement ça qui va brûler pour lui, hein? Mais petit tout a bien pour ouais génération Capral vive bien, hein? Comme ça il y a fier de nous, nous pas besoin de trop critique que ça. Mais si nous chitane quoi semaine nous pas faire rien, demain les vini nous même nous pas là encore, yo va critiquer nous comme des vauriens qui pas utile en rien, et ça n'est pas très grave. En tout cas, prenez destin nous en main, goumen pour nous changer destin nous, mesdames, mademoiselles et messieurs. C'est là nous mettez fin à l'émission, c'était un plaisir pour nous informer. Nous encourageons à vous abonner, commenter ce qui s'est passé et puis mettez un j'aime sur la vidéo.